écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et nous retrouvons Walid Selman. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche 30 juin, le président de la République adresse un message de condoléances au roi du Maroc, Mohamed VI, ainsi qu'à la famille royale suite au décès de la mère du roi. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, met l'accent sur l'impératif de la maîtrise des technologies modernes pour remporter le pari de la dissuasion. Saïd Chingriha a présidé hier la cérémonie de sortie de la 17e promotion de l'école supérieure de guerre. Et en prévision des présidentielles du 7 septembre, prochain activité dense pour les partis politiques ce week-end. Changement de l'heure d'ouverture de la plateforme d'inscription du programme ADL3 qui aura lieu le 5 juillet prochain à 21h au lieu de 17h, annonce faite par le ministre de l'Habitat. Le bilan de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger, elle a pris fin hier. Et puis en éducation, les premières Olympiades de mathématiques organisées depuis l'indépendance. À l'étranger, Gaza, Red et puis Donage, aucun répit pour le peuple palestinien de Gaza. Et puis présidentielle en Mauritanie, les résultats de la présidentielle définitive attendus ce soir ou demain. 7 candidats en lice, le président sortant Al-Razawani, grand favori de ce scrutin. Nous évoquerons également le premier tour des législatives anticipées en France, prévu aujourd'hui. En sport, athlétisme, Oussama Khnoussi au lancer du disque et Amine Bouanani sur 110 mètres et composent leur billet pour les JO de Paris, prévu cet été. Et pour commencer, le président de la République qui a adressé hier un message de condoléances au roi du Maroc, Mohamed VI. Suite au décès de sa mère, j'ai appris avec affliction la nouvelle du décès de votre mère. Je tiens à présenter en mon nom et au nom du peuple algérien à votre majesté mes sincères condoléances. Prions Allah Tout-Puissant d'entourer la défunte de sa sainte miséricorde et de l'accueillir parmi les pieux et les saints, a écrit le président de la République dans son message de condoléances. À la une de l'actualité, les chefs d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chingriha qui a présidé hier la cérémonie de sortie de la 17e promotion du corps d'études supérieures de guerre. L'occasion pour le chef d'état-major de l'ANP de rappeler les impératifs et les défis de l'heure. Le haut commandement de l'ANP qui place ses espoirs dans la ressource humaine qualifiée dont dispose l'école supérieure de guerre. Saïd Chingriha a également insisté sur la nécessité qu'il y a pour le militaire de croire à la cause qu'il défend et de faire preuve de détermination à remporter la victoire. Ces deux éléments étant des garants essentiels du rendement sur le terrain. La foi en la cause, l'abnégation et le sens du sacrifice pour la patrie demeurent indéniablement des valeurs sûres, garantes de la victoire sur le terrain de bataille. En effet, de nombreuses guerres modernes ont démontré que la volonté des hommes l'emportait sur l'ennemi. Malgré ses moyens matériels immenses, la glorieuse révolution de novembre en est le meilleur exemple. À ce titre, notre pays célébrera cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, dont la commémoration continue à constituer un trait d'union entre les générations de la révolution et les générations de l'indépendance, et à servir de modèle exemplaire digne d'être suivi. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP. L'élection présidentielle du 7 septembre prochain vient couronner le processus démocratique initié par le président de la République. Et concrétise la nouvelle Algérie, dans la nouvelle Algérie, le principe de la souveraineté du peuple pour le peuple. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du Conseil de la Nation. Et à propos de la présidentielle du 7 septembre, le président du Front de l'Algérie nouvelle, Jamel Ben Abdeslam, a appelé hier le président de la République à se présenter pour un second mandat afin, je cite, de parachever la construction de la nouvelle Algérie par la voix de son secrétaire général. Le Rassemblement National Démocratique, le RND, a salué les réformes politiques opérées par l'Algérie, ayant instauré un environnement à même d'assurer la transparence de l'opération électorale. Mustapha Yahi. السيد عبد المجيد تبون للترشح لعهدى رئاسية جديدة من أجل تجسيد رؤية مستقبلية لمشروع برنامج مشترك في الخمس السنوات القادمة للجزائريين.
De son côté, le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Ben Barak, a présidé hier à Alger la cérémonie d'installation de plusieurs présidents de comités transitoires de Mouhafadat. La cérémonie d'installation s'inscrit dans le cadre du parachèvement des opérations d'installation lancées par la direction politique du parti en prévision du prochain scrutin. De son côté, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Ben Kelina, est revenu sur l'importance de la contribution de l'élite algérienne au prochain scrutin. L'élite algérienne doit assumer son rôle et sa responsabilité dans la conduite de l'avenir du pays à travers sa contribution au futur scrutin présidentiel. Cette même élite qui a fait l'objet d'accusations mensongères, qui est l'accusée d'indifférence dans l'action politique, mais nous sommes là tous ensemble pour prouver le contraire. Le logement à présent avec l'inscription au programme ADL 3 et ce changement d'horaire d'ouverture de la plateforme qui aura lieu le 5 juillet. Tout à fait, ouverture de la plateforme à 21h au lieu de 17h, annonce du ministre de l'Habitat, Mohamed Belaribi, depuis la wilaya de Borj Badji Mokhtar. Autre annonce, la wilaya qui bénéficiera d'un nouveau programme de 1500 logements, dont 1000 aides financières à l'habitat rural et 500 unités de logement public locatif. Mohamed Tarek Belaribi. Depuis sa création en 2022, Borj Badji Mokhtar a bénéficié d'importants programmes de promotion de logements. 13 000 unités sont en cours de réalisation et nous annonçons le lancement d'un nouveau programme de logements qui comprend 1500 unités dont 1000 subventions pour la construction de logements ruraux et 500 logements locatifs publics. L'État a débloqué 25 milliards de dinars pour le secteur du logement de Borj Badji Mokhtar. Le ministre de l'Habitat qui était accompagné du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rakhlour, qui a donné d'ailleurs hier des instructions aux entreprises en charge de la réalisation du premier tronçon de modernisation du projet de la route nationale 6 reliant Niaouine, Borj Badji Mokhtar, Ergen sur une distance de 140 km en effet d'accélérer la cadence des travaux en vue de sa livraison fin septembre prochain. La saison estivale, visite d'inspection du ministre de l'Intérieur hier dans la capitale. En compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, l'occasion a été donnée également pour l'inauguration de plusieurs infrastructures dédiées aux jeunes. Une piscine notamment semi-olympique à Ain Taïa, baptisée au nom du défunt Mujahed Abdelmajid Allahoum. Pour Brahim Mamred, les réalisations ont concrétisé sur le terrain en termes de structures sportives et de loisirs et de programmes destinés aux jeunes reflètent l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette catégorie. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé également sur le dispositif mis en place pour gérer tout éventuel incendie en rappelant l'acquisition de 5 Canadair en attendant de réceptionner un sixième. Nous avons renforcé la flotte aérienne avec l'acquisition de 5 Canadair en attendant de réceptionner un sixième. D'autres acquisitions sont prévues et qui seront opérationnelles en cas d'incendie. Nous souhaitons bien évidemment qu'il n'y ait pas du tout à intervenir. Ce que vous faites en tant qu'élément de la protection civile et la direction générale des forêts et cette coordination est source d'assurance comparativement à ce qui a été vécu dans le passé. Tous les moyens ont été mis en place et renforcés par un déploiement à l'échelle de tout le territoire national, entre autres à Béjaïa, Mostaganem et Arnaba, ce qui nous permettra d'intervenir rapidement. Mais ces moyens ne seront pas efficaces s'il n'y a pas de vigilance et sans la contribution des citoyens qui habitent à proximité des forêts. Mais jusque-là, nous sommes dans des conditions confortables. C'est le grand rendez-vous des matheux, Walid Selman, avec ces Olympiades de mathématiques, coup d'envoi qui a été donné par le ministre Abdelhakim Belaad. Il s'agit d'une première depuis l'indépendance. Cette Olympiade qui se déroule au lycée de mathématiques de Kouba, pas moins de 321 élèves parmi les plus brillants sont concernés. Belaad qui a ensuite présidé la conférence nationale dédiée à la clôture de l'année scolaire avec une projection sur la nouvelle année scolaire et des nouveautés annoncées. Le ministre de l'Éducation. Nous allons équiper plus de 1700 nouveaux établissements scolaires primaires par des tablettes. Nous allons avoir pour l'année prochaine quelques 5000 écoles primaires équipées par des tablettes numériques. Nous allons introduire également la matière de langue anglaise dans la cinquième année primaire. Nous allons par ailleurs réduire le volume des programmes de la première année primaire par la réduction de nombre de matières tout en gardant les matières de l'identité nationale. Il y aura aussi un changement stratégique concernant
concernant le programme hebdomadaire, les activités artistiques passeront de 7% à 23%. Nous aurons aussi plus d'activités sportives. Autre nouveauté qui concerne le cycle préparatoire, tous nos enfants nés en 2019 auront le droit de s'y inscrire. Et l'actualité marquée également par la 55e édition de la Foire internationale d'Alger qui a pris fin hier, Hakima. Une vitrine pour le Made in Algeria et on va en parler tout à l'heure à 8h15, Souhila Lachmi qui reçoit Madame Souhila Abida, chef de cabinet ministère du commerce et de la promotion des exportations. On parle également de la situation à Gaza, une tragédie humaine multidimensionnelle. Entreprise génocide sioniste qui se poursuit, des dizaines de civils palestiniens tués, d'autres blessés dans des bombardements par des drones de l'occupation israélienne. Al-Quds occupée, l'entité sioniste a fermé également la barrière d'El Beit Al-Aqsa au nord-ouest de la ville, empêchant la circulation des élèves de l'école secondaire générale ainsi que des Palestiniens vivant dans le sillage. Par ailleurs, un chiffre à retenir, une statistique, 66% des Israéliens estiment que Benjamin Netanyahou devrait quitter la vie politique selon un nouveau sondage publié par les médias sionistes. Je vous propose l'analyse de Ayman Shaqqa, analyste politique. Il est contacté par Karim Hassan. On ne peut pas toujours compter sur le sondage. Au moment de guerre, au moment de grandes décisions à prendre, les Israéliens immédiatement bouleversent leurs opinions. Actuellement, bon nombre des Israéliens qui refusent Netanyahou, mais malheureusement, ce n'est pas encore majoritaire. Et puis, près de 2 millions d'électeurs ont voté pour départager les 7 candidats en lice en Mauritanie, dont le président sortant, Mohamed Daoud Cheikh Al-Ghazouani, qui reste le grand favori de ce scrutin. Les résultats devraient commencer à tomber dans la soirée et seront annoncés officiellement demain au plus tard. Législative anticipée en France, très forte participation attendue du premier tour de ce scrutin. Aujourd'hui, la participation pourrait atteindre, voire dépasser les 2/3 des Français inscrits sur les listes électorales. Selon les derniers sondages, victoire du Rassemblement national, défaite du camp du président Macron. Quel pronostic pour ce premier tour? Élément de réponse avec Benjamin Morel, analyste politique et maître de conférence à l'université Paris 2. Il a été contacté par Karim Hasnaoui. Le premier tour devrait être sans grande surprise du point de vue des grands équilibres. Il va y avoir une domination du RN, une gauche derrière mais très concentrée dans ses fiefs, qui peut avoir beaucoup de candidats élus dès le premier tour, mais qui aura toutes les peines du monde à avoir au final beaucoup de réussite à la fin. Quant à la majorité, la grande question pour elle va être à la fois qui peut se maintenir au second tour et combien il y a de triangulaires. Et si ces triangulaires sont nombreuses, ce qui devrait être le cas, et bien à ce moment-là, comment cette majorité peut tenter de réussir à avoir une vision commune, une doctrine commune par rapport à ces second tours, par rapport au retrait, notamment pour faire barrage au Rassemblement national. Et la présidentielle en Iran qui se décidera le 5 juillet prochain entre les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili, arrivé en tête d'un premier tour. La participation a été la plus faible depuis le début de la République islamique, c'était en 1979. Du sport pour terminer athlétisme avec Oussama Khanoussi au lancer du disque et Amin Bouanani sur 110 mètres haies qui ont composté leur billet pour les JO de Paris prévus cet été. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.